3, 2, 1, go. Had unknowingly wandered right up to the front line. The first gunshot signaled the beginning of another day's mayhem, a routine I was to become uncomfortably familiar with over the next 10 days. These gangs of armed kids now ruled the city, so-called soldiers of the various rebel clans. Stands at a critical turning point in terms of biowarfare technology. We are at risk now as I speak. Our children could suffer. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vous interviewe aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. J'aurais voulu avoir des petites réponses sur votre dernier film concernant les armes chimiques. Comment s'appelle-t-il ? Le film s'appelle Armes chimiques sous la mer. Et vous l'avez réalisé il y a combien de temps ? On l'a réalisé l'année dernière. Il a été diffusé sur la chaîne Arte en février. En février. 2014. Donc ce film traite des arsenaux mondiaux enfouis sous la mer, dans les lacs, un peu partout en Europe. Quel était l'endroit le plus pollué que vous avez pu visiter ? En fait, le sujet, c'est surtout les armes chimiques qui ont été jetées dans les océans, dans les mers, dans tous les océans du monde. Et on a filmé partout dans le monde, 3-4 continents. Et on peut dire que l'océan ou les mers la plus polluée, c'était la Baltique, sans doute. Polluée avec quoi ? Dans la Baltique, c'était surtout la gaz moutarde, qu'on appelle en français le... Hyperite, je crois. Hyperite. Hyperite, voilà. Et... Quel est le risque, en fait, de cet enfouissement sous la mer ? Quels sont les risques ? C'est surtout les risques sont pour les pêcheurs, pour les poissons et pour l'environnement de la mer, tous les organismes qui sont là. Les chercheurs que vous avez pu rencontrer qui enquêtaient sur ce sujet-là vous ont donné un délai, un temps critique ? Le problème, c'est que la plupart de ces armes ont été jetées après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des armes qui ont été jetées avant ça, dans la Première Guerre mondiale, mais la plupart ont été jetées après la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont été jetées dans des... en français, c'est barreaux. Des barils. Des barils en métal. Et c'est... Les barils ont une vie à cause de la corrosion de plus ou moins 50 ans. C'est-à-dire que nous sommes maintenant... On arrive à la période charnière. Voilà, c'est le moment critique où ces armes vont... Ces barils sont en train de s'ouvrir et ces armes chimiques sont en train de... Est-ce que vous avez enquêté un petit peu sur la Manche, sur la mer Méditerranée, la Côte d'Azur ? Oui, surtout il y a même ici en France, il y a sur la Côte d'Azur, il y a des zones, même aujourd'hui on voit des signes où on ne peut pas se baigner, mais on ne sait pas pourquoi, mais c'est à cause des armes chimiques qui ont été jetées là. Et surtout, on n'a pas filmé en France, mais on a filmé beaucoup en Italie, la côte adriatique, qui a vraiment une autre côte qui est très très polluée après la Baltique. On peut dire que c'est l'Italie même qui a beaucoup des armes chimiques qui se trouvent dans l'océan Atlantique. Vous avez rencontré la population, est-ce que vous avez discuté avec la population du risque qu'ils encouraient ? La plupart de la population ne sont pas au courant de ce problème. Parce que c'est un sujet très très secret qui a été... Personne n'a parlé de ça. Et vraiment, on peut dire que ce film, c'est la première fois que ça a été discuté publiquement. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par des journalistes, surtout en Italie. Un journaliste qui a écrit un livre il y a, je ne sais pas combien d'années, mais c'est assez récemment, il y a 5 ans. Mais c'est assez nouveau
sujet. Et quant à part ça, quand on a parlé avec des personnes qu'on était en train de filmer au bord de la mer, soit dans la Baltique ou soit en Italie, et on rencontrait des gens et on nous demandait qu'est-ce que vous faites, on leur demandait est-ce que vous savez qu'il y a des armes chimiques, tout le monde était très choqué. Je pense que la population ne sont pas au courant et c'est un sujet qui effraie beaucoup. Vous avez été choisi pour être le réalisateur, les réalisateurs de ce documentaire, parce que vous étiez à la base aussi réalisateur d'un film qui s'appelle Anthrax War. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce film-là ? Oui, le film Anthrax War, c'était un film qui relait à la situation des armes biologiques en ce moment, les recherches qui se passent et le développement des armes biologiques. Et vraiment, c'est un film qui a démarré après les attaques d'Anthrax, ou juste après le 11 septembre aux États-Unis, des lettres qui contenaient de l'anthrax ont été envoyées à des médias et à quelques sénateurs américains à Washington. Et vous avez enquêté sur les souches de cet anthrax ? Oui, on a enquêté, c'était une des choses qu'on a fait dans ce film, c'est de regarder les souches de cet anthrax pour savoir d'où ça venait et de faire une investigation qui était forensique, comment dire. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en avant sur ces souches-là ? Si on regarde cette souche d'anthrax, c'est une souche qui est ce qu'on appelle en anglais « weaponized anthrax », c'est-à-dire c'est une souche d'anthrax qui a été militarisée. Militarisée. Et qui était très très sophistiquée, qui a été travaillée. Beaucoup de moyens. Et la conclusion, en fait, que c'était une souche qui était vraiment travaillée, que ça devait venir d'un projet d'État, que c'était pas possible qu'une personne ou même un petit groupe de personnes puisse développer une souche pareille. Sont des grands moyens. Votre avis, est-ce que vous pensez que c'était une façon dont l'État avait d'intimider certaines institutions pour légitimer quelques lois antiterroristes face à la propagation d'armes biologiques ? On ne peut pas savoir les raisons, en fait. Oui. Mais on ne peut pas spéculer vraiment. Mais c'est sûr que ce qui est arrivé, que ces attaques ont lancé beaucoup de nouvelles recherches sur les armes biologiques et beaucoup de très très grandes dépenses et des grands budgets qui ont été faits sur ça. Mais on sait vraiment que les armes biologiques, on n'en parle pas beaucoup, mais que tous les États sont en train de travailler sur ça. Bob Cohen, vous êtes reporter de guerre, vous avez fait quelques passages pendant certains conflits comme Morovia à la belle époque. Qu'est-ce qui vous a déterminé ou qu'est-ce qui vous a prédestiné à enquêter sur ce type de scandale d'armes biologiques ? Pour moi, ça venait de... J'ai grandi en Afrique. Zimbabwe ? Au Zimbabwe. À l'époque, c'était la colonie anglaise, la Rhodésie. Et nous avons vécu une guerre très violente d'indépendance. Et moi, j'ai grandi dans la société de colons. J'étais un petit colon, j'ai grandi comme un petit colon, et quand j'ai atteint l'âge majeur, la guerre était en pleine force là, et beaucoup de mes amis de l'école ont été faire la guerre. Et moi je ne l'ai pas fait, je me suis enfui, mais après que je suis devenu journaliste, j'ai su que les forces rhodésiennes, l'armée du gouvernement blanc, a utilisé les armes biologiques et les armes chimiques
Et surtout, ils ont utilisé l'anthrax. On peut dire que le Zimbabwe a eu la plus grande épidémie d'anthrax dans l'année 1998, qui a tué plus de 300 personnes et infecté plus de 10 000. D'accord. Et c'était, je me suis trouvé après, en 2001, à New York, juste à l'époque de l'attaque d'anthrax, et je me suis demandé, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé dans mon pays de Zimbabwe et ce qui s'est passé aux États-Unis. Et c'est ça qui a démarré le film. C'est lourd de conséquences, ce type de raisonnement. Oui, c'était une question. C'était intéressant pour voir, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que... Dernière question pour vous, Bob. Quel est le pire conflit que vous avez été amené à voir durant votre carrière de reporter de guerre? Et tous les conflits sont mauvais, sont terribles. La guerre, c'est quelque chose d'affreux à expérimenter. Mais on peut dire peut-être Libéria, c'était particulièrement, on peut dire, un peu fou. À cause que c'était des jeunes hommes qui étaient, des jeunes gens qui étaient drogués avec des armes. Beaucoup de confusion, beaucoup de désordre et beaucoup de danger. Ouais. Présentez-nous votre ami Eric. Alors, je vous présente mon associé Eric Nadler. On a travaillé ensemble sur les deux films, Les armes chimiques, Sous la mer, et notre film Anthrax War, qu'on a fait ensemble aussi. Et ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble. Ok, what is your background, Eric? I've been a reporter for newspapers, writer for magazines, author of books, and I began making documentary films about 25 years ago. What drew me to this topic is I've had an interest for many years in weapons of mass destruction. Around 2000, the year 2000, I made a film called Stealing the Fire, which dealt with the nuclear weapons underground. And we had exclusive access to the first man accused of nuclear espionage since Klaus Fuchs back in the 50s. He was a German. He had access to uranium enrichment technology for a firm where he worked. And he took those plans and he sold them to Iraqi agents for Saddam Hussein. And there was a worldwide manhunt on for him after those plans were found in a chicken coop that the United Nations inspectors were sent to by Hussein's brother-in-law. And as soon as they saw the plans, they knew that this man, Karlheinz Schaub, had taken them. And he was hiding in Brazil. And because he didn't think there'd be an extradition treaty. He also was helping the Brazilians with their secret nuclear program, helping them to develop a nuclear submarine, among other things. But eventually the Brazilians extradited him to Germany. He stood trial, he was accused of treason and nuclear espionage. He was found guilty and he was fined 32,000 euros and given a suspended sentence. He's a free man today. And this was my first film on weapons of mass destruction. And then Bob and I got together on biological weapons, and then we just did chemical weapons. So we've done all the big ones, and maybe that's behind us now, I don't know. Okay, I would like to your point of view about the war in Iraq. So they talk about weapon of mass destruction. The arsenal of Saddam Hussein was huge. And they legitimate the war with this pretext. So what is your point of view about that? My point of view is the facts uncovered is at some point in the 1990s, he had a nuclear program, as many countries do. He gave it up. And there was no real information that he had revived it again. He certainly had the software, the plans, that he obtained from Schaub for uranium technology, very, very, very sophisticated stuff. Once he had that, who knows what he could do with it, he could sell it, whatever. But the pretext that he had biological weapons, that he had nuclear weapons,
was never proven. So the basic justification for that war, I think, was an illegitimate one, ultimately. I think they cooked the books, the Americans cooked the books, skewed the data, leaked it to the media, created a frenzy. And to this day, they haven't found any proof that his program continued in a sophisticated manner, despite some moves back in the 90s. In fact, Muammar Gaddafi had a sophisticated program as well. He gave up the program and was one of the few countries to actually give up a program. I don't know if that was wise or not, because they eventually ousted him and killed him. And so I don't know what sign that sends to the mullahs in Iran, what you do with your weapons. But as far as the Iraq war goes, I think it was illegitimate. I think it was done some sort of revenge for 9/11, but Hussein had nothing to do with 9/11. So I think it's been a tragedy for the region and the world. What was your reaction when you saw Colin Powell, who is a little bit of anthrax, who shake the anthrax in front of a lot of diplomatic persons? Well, this is before I had done serious research into this topic for the film. This was when I was just an American citizen, and I was alarmed. In other words, if the American intelligence people had convinced Colin Powell, who was kind of a career soldier, not a real spooky guy, to stand up in front of the world and say that he was producing this, well, I was concerned. But as we know now, the evidence was not there, and the speech he gave was false. And so, in retrospect, I'm angry about that. And but at the time, I viewed it like most citizens, and I was concerned. Bob, quand vous avez vu Colin Powell agiter un peu d'anthrax, quelle a été votre réaction à l'époque, et quelle est maintenant votre réaction? C'était un point très très important pour tout qui a été rentrer en guerre. Oui, la rentrée en guerre, c'était très important. Et dans notre film Anthrax War, c'est aussi un point très important parce que, à travers de chercher l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans les armes biologiques, on a enquêté sur les morts des chercheurs, plusieurs chercheurs. Et le plus fameux, c'était David Kelly, qui était celui qui avait dit, parce que quand Colin Powell a pris cet anthrax, c'était sur des renseignements qu'ils ont eu à travers les Anglais, les Américains. Et en fait, David Kelly avait parlé contre ça et qui avait dit que le dossier a été « sexed up », ça veut dire « fabriqué ». Et c'est à cause de ça que la BBC, en fait, il y a eu un grand scandale parce que il avait dit ça unofficially, anonymously, mais la BBC à l'époque, on a donné son nom, on a dit c'est lui qui avait dit ça, et ça a provoqué un très très grand scandale en Angleterre, qui a presque forcé Tony Blair à démissionner à cause de ça, et qui en fait a causé la mort d'une façon ou d'une autre de David Kelly. On a dit qu'il s'est suicidé quelques jours après qu'il a été devant le Parlement anglais pour répondre à des questions sur le sujet. Et c'était un suicide très suspect dans beaucoup de choses. Mais, alors, sans doute, c'était un moment très très important pour les grandes puissances, pour entrer en Irak, et comme nous le savons maintenant, en septembre, l'Irak, nous vivons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous poser une dernière question à vous deux, puis une avant-dernière question, pardon, et puis une dernière question. Nous avons la chance d'avoir deux Américains en face de la caméra. Je voudrais avoir votre perception sur le concept de guerre contre le terrorisme. Eric, I would like your point of view about the concept of war on terror. What is your point of view about that? It's a shadowy business, this international war on terror. It's
hard to understand what groups are out there, who's doing what, who's behind it, who benefits from the chaos that this war on terror causes. I know a few things that have been done in the name of the war on terror that frighten me as a citizen. Basically, in terms of the United States and the passing of the Patriot Act, civil liberties are threatened. In fact, in the recent revelations of Edward Snowden, we see that the national security state is an international surveillance state. George Orwell's 1984 has come true in the guise of the war on terror. It raises the question whether safety or liberty or freedom can be traded off in a way that benefits many citizens. So I think a lot is done by the state in terms of the war on terror that goes beyond things they've ever done before. And when you go to the roots of who's actually the terrorists out there, I mean, there's a few, I don't know, 100, 1,000 people, a handful of people are causing these problems. And the films we're doing lately look into these shadowy wars. We're really not sure who the players are, who they're working for. So it raises a lot of questions. The war on terror makes me uneasy, A, because if there are two terrorists out there doing terrible things, that's a horrible thing. But if somehow governments are manipulating the situation to increase their powers, that's also troubling. So I'm really troubled by the entire scenario of the post 9/11 world. I live in New York City. I edited a film downtown Manhattan. Every night I looked out and I saw the smoldering ruins of the World Trade Center. And the world that my children grew up in is different than the world I grew up in, and it's not a better place. So I'm troubled by the world we live in now. Well, votre perception de la guerre contre le terrorisme? C'est, on peut dire, c'est une guerre de l'homme. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et on doit se demander qu'est-ce que ça veut dire le terrorisme aussi. J'ai grandi aussi en Afrique et la guerre de libération, on nous a dit quand j'ai grandi que c'était des terroristes aussi. Et qui sont les vrais terroristes? Qu'est-ce que c'est que le terrorisme en fait? Mais aussi on doit regarder qu'après la guerre froide, qu'on avait besoin, on a toujours besoin d'un méchant, d'un ennemi, de quelqu'un d'avoir peur et pour d'abord contrôler les gens, mais surtout aussi il y a l'aspect économique, que des dépenses immenses, des budgets, la militarisation des armées et, sous le nom de la guerre contre le terrorisme. Alors il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et ça, vraiment, on peut dire que depuis que la guerre contre le terrorisme a commencé après le 11 septembre, vraiment, le monde a changé complètement. Dernière question. I would like an advice for the young generation. What is your advice, Eric? Question authority. As always, I tell my son, don't believe what you read in the papers. Don't believe what your government says. Think for yourself, and basically organize around issues that are important to you. I think the hold of the powers that be, at least in the United States, I think basically the government is run by a military-industrial complex that supersedes Republicans or Democrats, that has come to believe that war is a very profitable venture. We're living in a time of eternal war. And basically, I think you have to make the government accountable for all its claims. So basically, question authority and do not be afraid to engage in civil disobedience when you don't believe the government's doing the right thing. C'est vraiment la même chose. Je pense que on doit toujours ne pas accepter ce qu'on nous dit, de demander des questions, de ne pas faire confiance à ce qu'on nous dit, de ce qu'on lit, ce qu'on voit à la télévision. Mais je pense que les jeunes, ils savent ça déjà. Je pense que la génération s'aperçoit de ça et de ne pas avoir peur, aussi de s'éduquer.
d'essayer de chercher des réponses, de demander des questions, et surtout de ne pas avoir peur. Que on ne doit pas avoir peur, on doit avoir du courage. Et c'est vraiment à eux à changer. Nous sommes notre génération, on a causé beaucoup de problèmes, mais on va laisser beaucoup de problèmes pour les jeunes. Et c'est vraiment à eux, c'est dans leurs mains de changer, aussi d'utiliser la technologie qu'ils ont d'une façon intelligente. Parce que la technologie, l'Internet et toute l'information qu'ils ont au bout de doigts, ça peut être utilisé d'une façon négative pour le contrôle, comme on l'a vu, mais aussi ça peut être utilisé d'une façon très très puissante pour changer. Propager une épidémie du bien grâce voilà. à la technologie. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une très bonne journée. Un plaisir. Un plaisir. À partir du moment où on autorise les opérateurs à faire ce qu'ils veulent sur le réseau, en fait, on les autorise à modifier la société. On les autorise à modifier la façon dont les gens interagissent. De mieux en mieux, il y a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de savoirs et de talents, et de plus en plus de solutions. Et de plus en plus de capitaux pour des projets. C'est-à-dire que ce qui manque à l'heure actuelle... Que dans beaucoup de pays, on fait évoluer le cadre institutionnel pour inclure la société civile dans le débat. Et on est très loin de faire ça en France. Je pense que c'est même un peu la terreur des institutions.